Sans la traduction littéraire, nous n'aurons pas de livre. Ohne Übersetzung wären wir in unserer eigenen Sprache eingeschlossen und es gäbe gar keine Weltliteratur. Ce qui est très très important pour le Centre de traduction littéraire, c'est vraiment la mise en valeur de la traductrice, du traducteur en tant qu'acteur dans le marché et dans le champ littéraire en Suisse et en Europe, mais c'est aussi la mise en valeur de la qualité de ce travail qui est effectué. On a des fois un peu tendance de dire qu'un traducteur n'est qu'un passeur. Le traducteur n'est pas un passeur. Le traducteur est un auteur, un créateur, et il doit être reconnu à ce titre. Das Centre de Traduction Littéraire in Lausanne engagiert sich seit bald 30 Jahren für die literarische Übersetzung. Sie bilden Übersetzerinnen und Übersetzer aus. Sie sind der einzige Ort in der Schweiz, der das tut. Und das Resultat ist klar sichtbar. Es gibt in der Westschweiz eine aufstrebende Szene von jungen Übersetzerinnen und Übersetzern, die sehr gut ausgebildet sind, die sehr selbstbewusst das Wort ergreifen. Impossible de parler dans cette traduction d'équivalence, puisque toute traduction est transfert et transposition. Pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir travailler en tant que traductrice aussi au Centre de traduction littéraire. Il faut dire que j'ai commencé dans la traduction grâce au Centre de traduction littéraire quand j'étais étudiante ici à l'Université de Lausanne. Là, tu les vois. Bon, non, regarde, ici. Ah non. Et puis, c'est grâce aussi au soutien d'Irène Weber-Henking, de son travail, de son engagement pour les jeunes traducteurs, que j'ai fait mes premiers pas dans la traduction. Une particularité du Centre de traduction littéraire est que nous avons un programme de spécialisation en traduction littéraire. Donc c'est un master qui est ouvert à tout le monde et nous avons 10 langues et littératures. Et toutes les combinaisons de langues sont en principe possibles. La traduction littéraire est une pratique assez solitaire, seule avec un texte, avec tout ce qu'il transporte, mais où finalement on prend des décisions seules pour le traduire. Et grâce à des espaces comme ceux qu'offre le Centre de traduction littéraire, mais aussi le Collège de traducteurs Lauren, les traducteurs et les traductrices peuvent se réunir, discuter de ce à quoi ils sont confrontés dans leur quotidien. Das Übersetzerhaus Loren ist eigentlich der Turm von Babel, mit dem Unterschied, dass sich hier die Leute miteinander sehr gut verstehen und verständigen können. Аз превеждам от френски на български език. Мен Казахстаннан боламын, Екібастұз қаласында тұрамын. Мен неміс тілінен өзімнің ана тілім аударамын. I'm translating German to English. Tūkoju no franču valodas uz latviešu valodu. Prevajam nemško literatūru uz slovenščino. Ma tulkin saksa ja vene vēles ešti kēlte. Je traduis de l'allemand vers le français. Και μεταφράζω από τα γερμανικά στα ελληνικά. Das Übersetzerhaus Loren beherbergt Literaturübersetzerinnen und Übersetzer aus aller Welt, die zu uns kommen und in den verschiedensten Sprachkombinationen an ihren Übersetzungen arbeiten. Eine junge Übersetzerin aus der Westschweiz ist zurzeit bei uns, Camille Logo. Sie ist ausgebildet worden am CTL in Lausanne und arbeitet jetzt bei uns an ihrer ersten Übersetzung. Das ist ein schönes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Häusern.
Pour moi, c'est vraiment grâce à ces deux institutions que j'ai pu devenir traductrice. D'une part, parce que j'ai étudié au centre de traduction littéraire et grâce à cette excellente formation et grâce à leur soutien et leur encadrement, j'ai pu apprendre les ficelles du métier, j'ai pu me former en pratique et en théorie. Et par la suite, avec un contrat chez une maison d'édition, j'ai pu venir ici au Collège de traducteurs Lorraine et faire mes premiers pas dans la vie professionnelle. Das Übersetzerhaus Lorraine ist inzwischen bekannt als Drehscheibe auch für die Vermittlung der Schweizer Literatur weltweit. Ich arbeite gerade an einem Roman von Friedrich Glauser. Als ich hierher gekommen bin, hatte ich schon 30, 40 Seiten von dem Buch schon übersetzt gehabt. Mit der Aussicht aus dem Fenster und dieser völlig anderen Landschaft bin ich an den Text noch mal ganz anders herangegangen. Völlig anders, als wenn ich den Text in Griechenland übersetzen würde. Bet kažet iz Burkans. Aha. Ka, burka. Burkans. Burkams. Burkans. Burkans. Ui. Also ich fühle mich oft wie ein Koch. Also ich habe irgendwo in einem fremden Land ein sehr schmackhaftes Gericht gekostet und ich muss dieses Gericht nachkochen. Allerdings habe ich nicht dieselben Zutaten. Da muss ich Mittel erfinden, Zutaten ersetzen, um das genauso gut rüberzubringen. À mon avis, c'est pas possible. On ne peut pas traduire, on ne pourra jamais faire des textes qui se ressemblent exactement. Mais c'est là, en fait, tout l'intérêt de la traduction littéraire et de la traduction en général, dans cet effort de comprendre. On ne peut pas traduire et donc on doit traduire constamment. Übersetzerinnen und Übersetzer sind Leute, die sich zwischen den Sprachen und zwischen den Kulturen mit einer großen Leichtigkeit bewegen. Sie sind prädestiniert dafür, dieses gegenseitige Verständnis zu schaffen. On est un pays tellement petit. On a 4 langues et littérature. Donc là, l'échange entre les différentes régions, entre les différentes cultures, ouvre en fait notre espace littéraire vers l'infini et on a une richesse à transmettre à nous, mais aussi aux autres. Et les traducteurs sont essentiels en fait pour maintenir une idée suisse, mais au niveau littéraire, esthétique, qui dépasse tout ce que le monde politique peut peut-être vouloir.